On continue, l'aventure continue. On a commencé ce week-end avec la reconquête, l'idée donc de mettre en application ces enseignements de la Bhagavad Gita. Donc, l'enjeu est grand, mais le déroulement, comment dire, le chemin est progressif. C'est-à-dire que c'est une transformation intérieure qu'on veut amener en nous-mêmes, en fait. C'est prendre les parties inconscientes, automatiques, etc., et les amener dans la lumière. Et ça commence avec une petite habitude. Voilà, si vous n'étiez pas là samedi dernier, vous pouvez aller voir tout ça sur le mini-webinaire numéro 9. Et il y aura des infos là-dessus. Et donc, pour ceux qui... Alors, on a déjà des petits groupes de personnes qui, d'une certaine manière, travaillent ensemble. C'est-à-dire, on travaille chacun pour soi-même, sur soi-même, mais en partageant, c'est-à-dire en, voilà, donnant un petit peu en mettant en mots, en formulant, voilà, notre vécu, en fait, et en le partageant avec d'autres, on se renforce, en fait. On amène de la lumière. J'ai jamais été aussi conscient depuis 2 jours pendant que je me brosse les dents. Parce que dans ce petit groupe, on a parlé de brossage de dents et de comment faire ça justement dans la conscience et pas dans les tensions, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, d'efficace, de ludique aussi, parce qu'on partage tout ce vécu ensemble. Et donc vous êtes les bienvenus si vous voulez y participer. Ceux qui ne sont pas encore affiliés à un petit groupe, vous pouvez m'écrire un mail en me disant, voilà, j'aimerais bien aussi en faire partie et je vous enverrai le lien vers un petit groupe pour en faire partie. Et c'est une expérience que je trouve vraiment, voilà, on vous le propose parce qu'on a fait l'expérience nous-mêmes et on voit que c'est efficace en fait, hein. Le fait de partager, le fait de formuler, le fait d'être plusieurs, ça renforce énormément. OK. Et maintenant, on en vient à la thématique de cette semaine, donc qui est attunement. Alors, attunement, c'est un mot qu'on peut traduire par s'accorder intérieurement. S'accorder intérieurement, on a vu déjà la dernière méditation guidée, ou l'avant-dernière, on a commencé à rentrer dans la vibration du Om pour accorder notre pensée à cette fréquence plus élevée, à cette conscience plus élevée. Et donc, c'est le thème pour cette semaine. Comment rentrer dans un ressenti de cette réunion de notre petit soi, de notre petite conscience, avec le grand soi, avec cette conscience christique, et en faire l'expérience en nous-mêmes. OK. Commençons en fermant les yeux. Et commençons avec ce premier pas vers cette plus grande conscience. Où est-ce qu'on va la ressentir? On va toujours ressentir dans le cœur d'abord. Et donc voyons l'état du cœur maintenant. Le cœur, quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'organe du cœur, mais je parle du centre. Du plexus, pardon, pas du plexus, du sternum, de la poitrine, le centre des sentiments. Et voyons quel est maintenant ce qui est dans le temple, ce qui est en moi. Ce que je ressens. Et je peux décider de qui j'invite dans ce temple-là, dans la partie réceptive des sentiments. Et avant d'aller dans les étirements, on va amener notre attention, on va la garder dans le cœur et l'amener également dans le lobe frontal. En gardant les yeux légèrement relevés, le dos redressé, et dans le lobe frontal,
C'est l'émetteur. Pour ceux qui ont suivi les premiers mini-webinaires, vous le savez, c'est l'émetteur radio de l'esprit. Le cœur est le récepteur. Et donc ici, on affirme intérieurement, à cet endroit-là, dans le lobe frontal, on affirme l'intention de sentir en nous-mêmes, de recevoir dans notre cœur, dans la zone des sentiments, une expérience de cette conscience christique qui est notre potentiel réel. Chacun trouve une manière de faire cette demande. Révèle-toi dans mon cœur. Montre-toi conscience christique. Donne-moi de te goûter, quelle que soit votre phrase. Faites cette demande consciemment. Une fois que votre demande a été clairement formulée dans le lobe frontal, ressentez la réponse dans le cœur. Elle sera sans doute très subtile. Quel que soit le sentiment qui naît maintenant, restez un instant avec lui. Et avec ce sentiment, allons dans les étirements et dans la pratique de la méditation. On entrelace les doigts pour une grande inspiration. On va tout faire lentement pour garder ce sentiment, cette qualité-là. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire vers la gauche. On se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Lentement, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient. On fait l'expérience de cette rotation avec la qualité présente en nous-mêmes. Et on revient au centre. À nouveau, on inspire, on étire vers le ciel. On se tourne vers la droite. On pose les mains et on soutient la rotation. Trois respirations profondes. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, flexion de légère vers l'arrière, respiration profonde pour assouplir, adoucir la paroi des intercostaux, pour ouvrir cette zone-là de la réceptivité des sentiments. Allez au bout de vos respirations pour bien étirer, bien ouvrir. Encore deux. Et on revient
Au neutre, on a les yeux fermés, les mains posées sur les cuisses, vers le ciel, paume vers le ciel. Le regard redressé, complètement détendu. Et on vient à nouveau dans le cœur, dans la poitrine. Et grâce à ces étirements, on atteint une nouvelle perception, une plus fine perception de ce qui est là. Et avec cette finesse, on découvre, encore une fois, c'est le sentiment qu'on a demandé. Ok, et puis une double inspiration, contraction de tous les muscles. Double expire, détente. Encore deux fois. Dernière. On ressent un instant. Et à nouveau, on amène l'attention dans la poitrine pour redécouvrir ce qui y est présent. Puis on inspire sur 5 par les narines. On garde. Et on expire. Inspire un peu plus lentement. On retient le souffle. Expire. Inspire encore un peu plus lentement. On retient le respire et on concentre l'attention dans le lobe frontal pour accorder justement le cœur et l'intuition. Et on expire. Prenez une grande inspire. Puis laissez l'air aller à son rythme sans plus rien contrôler. Et tout en gardant l'attention dans le lobe frontal, ressentez dans la zone du cœur l'épanouissement, le déploiement de ce sentiment, de cette expérience qu'on a commandée, qu'on a demandée au début. Atteindre une conscience plus élevée, en réalité, ce n'est pas difficile. On la demande, on en a l'intention. Ce qui demande un effort ou plutôt une pratique, c'est d'écouter, c'est de ressentir. Pour nous aider, pour nous aider dans cette écoute, on va écouter ce poème issu du livre Murmure de l'infini, Murmure de l'éternité de Paramahansa Yogananda. Et cette prière, ce poème prière, s'appelle
Ô roi de toutes nos ambitions, ouvre les portes des nobles aspirations dans le manoir de nos âmes. Ouvre le bourgeon de notre cœur et laisse le parfum de notre amour, emprisonné par l'ego, s'unir en toi. Transporté par le vent de la perception cosmique, puisse notre parfum d'amour flotter jusqu'à ton temple de l'infini. Ô roi de toutes nos ambitions, ouvre toutes tes fenêtres en chaque instant, dans l'incandescence du coucher du soleil, dans les éternels espoirs des rêves humains. Ouvre toutes les portes de nos nobles aspirations qui nous guideront hors de la prison de l'ego jusqu'au vaste panorama de ta béatitude. Je relis la première phrase. Ouvre le bourgeon de notre cœur et laisse le parfum de notre amour, emprisonné par l'ego, se libérer et s'unir à toi. Voilà, laissez simplement ces mots, des images que transporte ce passage, ce texte, nous toucher. Réveiller ce sentiment, le nourrir. Puis avec ce sentiment, encore une fois, on vient dans l'observation du souffle dans les narines. Et vous voyez donc que cette expérience d'observer le souffle est différente à chaque fois, selon ce qui est dans le cœur au moment où on en fait l'expérience. Ressentez la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Vous sentez cette douceur du souffle qui se révèle justement quand on est très réceptif.
À chaque expiration naturelle, laissez tout le corps se détendre et l'esprit se reposer dans l'expérience du sentiment intérieur. Et si les pensées vous égarent un peu, servez-vous des pensées pour revenir. Vous pouvez utiliser une affirmation comme « Je me baigne dans le sentiment présent en moi-même ». Je me baigne dans cette lumière. Puis vous abandonnez à nouveau les pensées et vous revenez dans l'observation du souffle et l'expérience elle-même. Puis on prend une inspiration profonde. Trois expirations par la bouche et le nez. On laisse un instant l'air dehors. Puis quand l'air revient, cet air transporte l'expérience à l'intérieur de nous. Chaque respiration devient expérience de l'épanouissement de ce goût-là, de cette saveur divine en nous-mêmes.
Tout ce qui est demandé, c'est d'être patient et attentif pour faire l'expérience pleinement de l'expansion de cette conscience en nous-mêmes, de ce goût, de cette expérience. Et quelle que soit l'expérience, on reçoit ce qui nous est donné comme faisant partie d'un trésor. On reçoit et cette richesse vient colorer notre journée, colorer notre conscience. Voilà, restez dans cette expansion encore autant que vous le souhaitez.